Aujourd'hui, je suis tellement triste. J'ai perdu mon foulard préféré. Il est tellement beau en plus. Il est mauve, avec des petites rayures dorées qui brillent. Or, je suis tellement déçue de l'avoir perdu. Mes petits lutins, est-ce que vous accepteriez de m'aider à le chercher? Oui! Oh, merci, vous êtes tellement gentils. Peut-être est-il dans mon coffre? Ah, non. Peut-être sous les coussins? Il n'est pas là non plus. Peut-être dans mes tiroirs? Non, toujours pas. Mes petits lutins? Mon foulard me fait justement penser à une histoire. C'est celle d'une malle magique qui enlève tous les chagrins. Ah! Ça cogne à la porte. Oh! Mes petits lutins! C'est justement la malle magique! Quelle coïncidence! Mon merveilleux livre des contes. Voudriez-vous faire apparaître, s'il vous plaît, l'histoire que j'ai choisie aujourd'hui pour mes petits lutins? Merci. Mes petits lutins, cette histoire s'intitule « La malle à chagrin » et elle commence comme ceci. Il était une fois un marchand qui, avec le temps, était devenu très riche. Toute sa vie, il avait économisé pour que plus tard, son fils ait une vie plus simple que la sienne. Il était si économe que chaque fois qu'il dépensait un dollar, c'est qu'il était certain d'en gagner un autre. Mais voilà qu'un jour, il mourut. Son fils unique, qui avait vu son père se priver depuis son enfance, hérita de toute sa fortune. Et à partir de ce moment, il décida de mener une vie beaucoup plus insouciante. Il laissa tomber ses études. Mes petits lutins, vous imaginez quelle idée, laisser tomber ses études. Et il se mit à flâner toute la journée. Le soir, il sortait avec ses amis et leur payait tous leurs caprices. Rapidement, ce manège le mena à la ruine. Un jour, il réalisa que presque toute la fortune de son père avait disparu. Comme il ne pouvait plus les gâter, ses amis l'abandonnèrent tous les uns après les autres. Pourtant, quelqu'un quelque part eut pitié de lui et lui fit livrer une vieille malle, dans laquelle il trouva ce mot « Fais ta valise ». Oh, mes petits lutins, qui peut bien avoir fait livrer cette malle? En voyant le mot, le jeune homme se dit « Facile à dire lorsqu'on n'a plus rien à mettre dedans. » Il regarda la malle dans tous les sens, appuya sur la serrure et en l'ouvrant, il se produisit quelque chose d'exceptionnel. Elle se souleva dans les airs et il lui sembla qu'elle pouvait voler. Le jeune homme curieux tenta une expérience. Il se faufila dans la malle comme pour se coucher et il ferma les yeux. Pouf! Elle s'envola dans les airs avec lui. Très haut dans le ciel, plus haut que les nuages, toujours plus loin. Mais plus il s'éloignait et plus la malle craquait. Alors notre petit homme commençait à avoir peur qu'elle ne se brise en morceaux. « Oh, ce serait terrible !»
pensa-t-il. « S'il fallait qu'elle tombe, je ferais une vilaine culbute. Oh, et puis j'ai trop peur. Je préfère rentrer à la maison, » pensa-t-il, très fort. En rouvrant les yeux, il était de retour à la maison. « Oh, c'est vraiment une malle magique !» Et il trouva un endroit pour la cacher dans un endroit secret. Il pourrait toujours s'en servir s'il en avait à nouveau de besoin. Comme il trouvait le temps long, il décida d'aller se promener en forêt. Sur le chemin, il pensait à son père qui lui manquait terriblement. Il réfléchissait aussi à toutes ses folies. Il avait tellement honte de son comportement. Mais trop tard, maintenant il était seul et ruiné. En marchant, il rencontra une jeune femme qui cueillait des fleurs dans un panier avec son petit garçon. En regardant vers chez lui, il engagea la conversation en lui demandant. « Dites-moi, madame, est-ce que vous venez souvent vous promener par ici? » « Non, pas très souvent. Mais ce matin, j'étais un petit peu triste, alors j'ai décidé de venir me promener et aussi d'en profiter pour réfléchir. » « Ah, c'est étrange, je suis ici pour les mêmes raisons. Et dites-moi, vous habitez à quel endroit? » « J'habite très près d'ici, juste à côté du beau grand jardin là-bas. Je suis la fille du meunier. » « Ah, je vois. Eh bien, bonne réflexion, madame. J'ai été heureux de vous rencontrer. » « Moi de même. » Et ils se quittèrent, poursuivant leur chemin chacun de leur côté. En arrivant à la maison, le jeune homme était un peu triste. Alors il alla récupérer la malle et, comme la dernière fois, s'installa à l'intérieur. Il ferma les yeux et elle s'envola de nouveau, toujours plus haut que les nuages, très haut dans le ciel. Il avait à nouveau oublié tous ses ennuis. Notre petit homme ferma les yeux et à nouveau se mit à rêver. Si je pouvais revenir en arrière et réparer toutes mes erreurs, je serais tellement heureux, se disait-il. Et la malle le menait toujours plus haut que les nuages et toujours plus loin. Et comme la dernière fois, la malle se mit à craquer. Et encore une fois, notre petit homme eut peur et son désir fut de revenir à la maison. En ouvrant les yeux, il était de nouveau chez lui. « Oh oh !» se dit-il. « Cette fois-ci, ce n'est pas un hasard. Cette malle est vraiment magique. Elle exauce mes désirs. » Et il retourna placer la malle dans son endroit secret. Ensuite, il eut l'idée de se préparer un petit quelque chose à manger. Tout comme il s'asseyait à table, on cogna à la porte. Il se leva pour aller répondre. C'était la jeune femme qu'il venait tout juste de rencontrer. Surprise de voir apparaître devant elle l'homme qu'elle venait à peine de connaître, elle lui expliqua la raison de sa venue. « Je suis désolée, monsieur. Je voulais tout simplement vous demander. Mon petit garçon a perdu une malle avec laquelle il a l'habitude de jouer lorsque nous allons dans les bois. Dites-moi, est-ce que vous l'auriez vue? » Avant de répondre, le jeune homme l'invita à entrer et à partager sa collation. Une fois installés à table, ils se mirent à parler de tout plein de choses. Le jeune homme lui confia même toutes les bêtises qu'il avait faites depuis le départ de son père. Ensuite, il se rendit à l'endroit secret pour récupérer la malle et la lui montrer. Aussitôt, elle s'exclama. « Ah oui, c'est bien la malle de mon fils !» « Mais où l'avez-vous trouvée ?» Le fils du marchand était bouche bée. Il lui expliqua comment cette malle lui avait été livrée. « Vous savez, avec toutes les bêtises que j'avais faites, j'étais complètement ruinée. Et quelqu'un a probablement eu pitié de moi et m'a fait livrer ce cadeau. Et à l'intérieur, j'ai trouvé un mot. » Il lui expliqua que sur le mot était inscrit « Fais ta valise ». Au début, je n'ai pas très bien compris ce qu'il voulait me dire, puisque moi, je n'avais plus rien à mettre dedans. À cet instant, la jeune femme comprit qui avait écrit le mot. C'était son père à elle. Oui, puisqu'il était un ami du marchand, et il savait qu'il avait un fils. La jeune femme lui fit à son tour des confidences. Elle lui expliqua qu'à la suite d'un grave accident à la meunerie, elle avait perdu son mari, mais aussi le père de son enfant. C'est pour cette raison que son père lui offrit de prendre soin d'eux. Tous les deux,
assis l'un près de l'autre, ils se confièrent tout plein de secrets. Ils restèrent ensemble à parler des heures et des heures. À un certain moment, la jeune femme regarda l'heure et se leva pour partir. À ce moment, le jeune homme lui demanda « Est-ce que vous pensez que vous pourriez revenir demain? Si vous le désirez, vous pouvez amener votre petit garçon. Il est le bienvenu. » Elle lui répondit « Demain, c'est moi qui vous invite. Venez prendre le thé avec mon père et moi. Et comme ça, vous pourrez voir mon petit garçon. » Le jeune homme était content et il accepta. « Oui, demain je serai là. Je viendrai vous voir. » Et sur ces mots joyeux, ils se quittèrent. Le lendemain, le fils du marchand se dirigea vers la maison du meunier et apporta avec lui la malle. Lorsqu'il frappa à la porte, le grand-père, le petit garçon et sa maman étaient là pour l'accueillir. Il poussa la malle vers le petit garçon et lui dit « Voilà, petit, tu vois cette malle? Elle est pour toi. Lorsque j'avais de la peine, un ami m'en a fait cadeau. Maintenant, elle te revient. Si un jour tu as des chagrins ou des soucis, tu pourras les déposer dans la malle et elle s'envolera avec. Tu verras, par la suite tu te sentiras beaucoup mieux. Peut-être qu'une fois que tu auras fait ta valise plusieurs fois comme ça, tu n'en auras plus besoin. Alors tu pourras la remettre à un ami. Alors elle pourra continuer son travail et s'envoler avec tous les chagrins. » Le meunier écoutait le jeune homme et il souriait. Il lui dit alors « Tu vois, jeune homme, tu seras toujours le bienvenu chez nous. Parce que tu vois ici, la maison est aussi ta maison. » Le bonheur était enfin revenu dans le cœur du jeune marchand et de la fille du meunier. Maintenant, ils passaient tout leur temps ensemble et ils formaient une famille. Quelques années plus tard, ils eurent un petit garçon et ensuite une petite fille. Un certain jour, leur père leur raconta avec fierté comment il avait rencontré leur maman. Il leur parla aussi de la malle à chagrin, celle qui nous libère de tous nos soucis et de tous nos ennuis. Ils la conservèrent précieusement pendant plusieurs années. Mais après un certain temps, ils la confièrent à quelqu'un qui en avait besoin. On dit que depuis ce temps, elle a fait plusieurs fois le tour du monde. Car on le sait, il y a toujours quelqu'un quelque part qui a des soucis. Mais comme elle revient toujours vide, elle est toujours disponible. Alors mes petits lutins, si vous connaissez quelqu'un qui a du chagrin, vous pouvez lui dire qu'il peut le déposer dans la malle. Alors elle poursuivra son chemin et s'envolera avec tous ses chagrins. Fin! Mes petits lutins, je me sens déjà mieux, probablement grâce à la malle magique. Et de toute façon, ce n'était pas un si grand chagrin. Il y a des choses bien pires dans la vie que de perdre un foulard. Et qui sait, peut-être que je vais le retrouver. D'ici votre prochaine visite, je vais continuer à le chercher. Alors je vous dis à bientôt, mes petits lutins. Je vous aime. Bye bye!